En vue d'accompagner de manière optimale les auto-entrepreneurs, la direction du Pôle national de promotion de l'emploi s'est rendue dans la localité de Moyenoué afin de s'enquérir des avancées des 10 projets. Lancé récemment dans le domaine de la pisciculture et l'extraction de sable, le Pôle national de promotion de l'emploi s'investit à la réussite de ce projet. Nous nous retrouvons sous les hautes instructions de M. le ministre de charge de la lutte contre le chômage, M. Adrien Gemamba, qui veut vraiment mettre en exécution les plus hautes instructions du président Abiy, chef de l'État, qui veut une approche inclusive en matière de lutte contre le chômage en touchant l'intérieur du pays. Et dans ce sens, nous sommes ici à Lambaréné où nous avons déployé des projets pilotes qui pourront servir à l'ensemble du territoire national. Cette formation subie par ces différents apprenants leur a donné un diplôme équivalent CAP. Ils ont eu des CAP et ces CAP en pisciculture. Et ces diplômes leur permettent d'affronter le marché du travail. Le Pôle national de l'emploi a plusieurs structures. Ici, nous sommes dans le cadre d'une structure qui est suivie par la maison de l'auto-entrepreneur chez nous. Et la MAE aujourd'hui a cette capacité de déployer des projets, mais aussi d'assurer le suivi. Et ce projet auquel nous tenons doit avoir un suivi au plus haut niveau, au niveau de la direction générale. Nous sommes rassurés de voir que depuis notre toute première visite, il y a 2 mois, les poissons continuent de grossir. Et aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une tonne de poissons qui est présent dans ces différents racks pour opérer une récolte d'ici décembre. Pour Sotracop, la coopérative agricole en charge de la pisciculture répond aux besoins de consommation locale en toute période de l'année est le but visé. Le PNPE, déjà depuis le départ avec JIA Gabon, était là présent. Donc ils nous ont toujours eu à l'œil, donc ils nous ont toujours eu sur leur viseur. Donc c'est la raison pour laquelle ça a été facile pour nous d'être en accord, sinon en partenariat avec le PNPE. Et vu les difficultés qui se sont manifestées au cours de notre formation, sinon de notre apprentissage, c'est le PNPE qui est venu en support, sinon en soutien pour nous réconforter, sinon nous accompagner dans le domaine que nous pratiquons aujourd'hui. Promouvoir l'effort de la culture à la jeunesse gabonaise, tel est l'objectif souhaité par les sabliers. Et aujourd'hui, nous sommes contents et fiers de savoir ce qu'on fait. L'État a un œil sur notre activité et l'État veut nous changer les conditions de vie et de travail. Précurseur des projets à venir, à travers ces projets pilotes, le Pôle national de promotion de l'emploi espère voir ses coopératives répondre à long terme aux besoins du marché local tout en répondant aux exigences écologiques.